Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Je tiens à vous le dire tout de suite, j'ai un nouveau médicament dans mon traitement. Je viens pas de me réveiller, il est 14h, je vous promets. À la voix, ça s'entend, ça fait bizarre, dans la bouche, ça fait bizarre, bref. La vie est pas trop mal pour moi. Sauf que je me rappelle même pas si c'est pour guérir ma dépression ou mes douleurs. Visiblement, ça agit un peu sur les douleurs parce que vu que je passe mon temps à dormir, ça m'emmerde. Mais au moins, j'ai pas mal pendant ce temps-là. Et puis, bah, j'ai pas de problème de dépression pendant que je dors. Bref, c'est un peu lourd à gérer. Bon, j'arrête de vous embêter avec mes problèmes perso parce que il paraît que sur l'autre chaîne, les gens ils grognent parce que j'ai trop de problèmes perso. Mais l'autre chaîne est là pour ça. Nous, on va s'attaquer à un truc qui a récolté le plus fort taux de parmi les votes. Hein, forcément cette semaine. Bah, je suis content, ça a bien marché pour le premier. Le suivant sort, je l'ai programmé pour qu'il s'affiche à partir de 19h tout à l'heure. Donc il sort assez rapidement, avec celui-là qui concerne emploi, métier, travail et profession, que je n'avais pas mis dans le truc. Donc ça, je vais le sortir, et puis je vais en mettre un autre à la place. De mémoire, ça concerne les jours fériés, un truc comme ça. Vous aurez la surprise à 19h tout à l'heure. Mon poteau Steph, c'est toi qui m'avais demandé ça, hein, j'ai noté dans mon truc, je crois bien que c'est toi. J'ai pas retrouvé le. Tu m'avais demandé ça dans un des commentaires de je sais plus quel épisode. T'avais dit ouais, ce serait bien, machin. T'en avais mis deux, genre métier et travail, je crois, un truc comme ça. Et moi, je me suis amusé à faire la comparaison avec quatre, qui sont assez souvent, qui tiennent de la même chose, vous en conviendrez. Qu'est-ce que j'ai noté de vous raconter sur ce sujet? Ben d'abord, donc vous l'aurez compris, hein, on fait la différence entre emploi, métier, profession et travail, parce que tout ça, c'est un petit peu, ça touche un petit peu à la même chose. On va commencer par lire les définitions du Larousse. Alors les lire, moi je vous les lis, je vous les mets pas à l'écran. Je vous ai mis plein de liens dans la description que personne ne lit jamais. Hein, vous avez raison de pas lire, c'est nul. Voilà, je mets les sources, je vous ai mis plein de liens pour chacun des mots. Vous avez au moins 5 ou 6 liens sur Larousse, Rotbert, NRTL, voilà, tout un tas de choses assez sympas. Il y a les wikis qui sont là, il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Un point très important, c'est de savoir ouvrir un dictionnaire. Quand je bossais chez des avocats, petite anecdote, j'étais étonné que plus de la moitié des collaborateurs aient un dictionnaire sur le coin de leur bureau. J'étais là, j'ai dit merde, mais vous n'avez pas bah, plutôt un code civil, un code pénal? Alors ils avaient aussi ce genre de choses, mais le plus souvent il y avait un dico. Parce que même au regard de la loi, la sémantique, la signification du mot est important et fait force de loi. Quand un mot pose un problème dans l'interprétation de la lecture d'un article, on va chercher, on ouvre le dictionnaire et du coup c'est l'Académie française qui intervient. Comme quoi l'Académie française c'est pas aussi inutile que plein de gens voudraient le dire. Ça a son utilité. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc tout bête machin. Alors effectivement après il y a chacun sa religion, certains avaient le Larousse, d'autres le Robert. Moi j'ai toujours préféré le Larousse parce que bah, c'est celui qu'il y avait chez moi quand j'étais gamin. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu un Robert, bon. Moi j'aime bien qu'ils soient gros, alors les petits Robert ne m'intéressent pas. N'inquiétez pas, les enfants ils viennent de pas. Ils ont pas compris. Ils sont passés à côté. Double lecture, hein. Comme certains Pixar, hein. Double lecture. Bon voilà. Plaisanterie graveleuse mise à part, attaquons. C'est quoi un emploi? Action ou manière d'employer quelque chose, ce à quoi sert quelque chose. Nous sommes en français, donc un mot, plusieurs possibilités de signification. Donc cette première, parce que c'est un, c'est en premier, on fait ça. Et donc du coup, le premier truc d'emploi, c'est pas ce dont on va traiter aujourd'hui. On va traiter du deuxième. Mots susceptibles de divers emplois, par exemple. Synonyme de ça, c'est usage et utilisation. Donc on n'est pas dans ce qu'on veut traiter aujourd'hui. Parce que en deux, ce à quoi s'applique une activité rétribuée. Offre, demande d'emploi par annonce, par exemple. Et les synonymes, ça va être une place ou une situation. C'est ce que donne le Larousse. Donc vous voyez, l'emploi, c'est le fait de travailler, le fait d'avoir une activité rétribuée. Hein, y a rétribué dedans.
Ensuite, et volontairement, je ne les ai pas mis dans un ordre hyper logique. J'ai essayé de les mélanger pour faire bien, quoi. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi du reste. Le métier. En 1, on a genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et dont on peut tirer des moyens d'existence. Métier manuel ou intellectuel. Synonyme, emploi, fonction, gagne-pain, profession, boulot, job. Là, par contre, en premier lieu, on est sur le chose dont on va parler dans cet épisode, dans ce dossier du jeudi. Et en 2, ils disent occupation permanente, le métier de roi. On a toujours comment s'appelle, un lien avec l'occupation plus ou moins rétribuée, mais là on est sur une autre dimension, le métier de roi. Enfin, c'est pas un métier, roi. Mais on va parler justement des occupations du roi en parlant de son métier. Et je vais faire abstraction volontairement des autres significations du mot métier, tel que le métier à tisser ou des choses comme ça. Passons, poursuivons avec travail. À travail 1, j'ai bien aimé quand j'ai scripté ça. Travail, la première signification c'est période de l'accouchement pendant laquelle se produisent les contractions. Femme en travail. Donc on n'est pas concerné par ce truc-là, hein, c'est clairement. Mais vous voyez, travail, la première signification, selon Larousse, c'est ça. En 2, c'est ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile, activité productive d'une personne, le travail. Synonyme, action, activité, labeur. N'y a pas de notion de rétribution là, vous voyez? Enfin, noté. Et enfin, profession. Alors en 1, c'est occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. Quelle est votre profession? Synonyme métier. Et en 2, c'est métier qui a un certain prestige social ou intellectuel. Les professions libérales. Synonyme carrière. Alors, moi, je vais me permettre d'en conclure. Alors, à partir de maintenant, là, tout ce que je viens de vous dire, ça vient du Larousse. Donc, normalement, on ne conteste pas. Et pas tergiversé, ça vient du Larousse. Le Robert donne à peu près la même chose. Là, par contre, ce que je vais vous dire maintenant, c'est plus une interprétation. Donc là, on conteste, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on peut voir les choses. Je vous donne un angle de vue, je vous propose un angle de vue. Pour vous dire que, de mon point de vue, métier et profession sont assez proches. C'est vraiment ces deux-là qu'on peut rapprocher l'un l'autre et les mettre en regard, mais pas en opposition, de emploi et travail. Et encore que travail pourrait presque relever d'un abus de langage, je pense. Si on essaye de vulgariser encore un peu plus, vraiment aller au plus profond du truc, un métier ou une profession, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on a appris à faire. Et un emploi ou un travail, c'est ce qu'on exécute pour gagner sa vie. Il y a un moment, j'ai eu envie d'écrire justement qu'on exécute quotidiennement. Mais en fait, non. Ça aurait été faux, ça, parce que je vais prendre un exemple facile. Les infirmières. Les infirmières ne travaillent pas tous les jours. Parce que vu qu'elles ont parfois des rotations de 12 heures, parfois des rotations plus longues, donc elles font 2 ou 3 jours pleine bourre, puis après, elles ont 4 jours sans rien faire, pour recommencer, et ainsi de suite. Et je parle que des infirmières en établissement, hein, en hôpitaux, en EHPAD, en choses comme ça. Les infirmières libérales, bah, avec mon cancer et tout le tralala, et puis mon accident après, j'ai eu affaire. C'est infâme ce qu'elles vivent, les pauvres. Putain, c'est. Bon, voilà, je voulais mettre un peu à l'honneur les infirmières parce qu'elles sont quand même malmenées ces dernières années, et puis elles sont toujours pas à la noce. Donc. Ma conclusion, c'est de dire métier, profession, c'est vraiment le truc qu'on a appris, avec lequel on peut se la péter parfois. Travail, qui est un peu un abus de langage, et emploi, bah, c'est la chose que l'on fait vraiment, qui parfois ne correspond pas à son métier qu'on a appris. Hein, il y en a beaucoup, hein. Je suis sûr que parmi vous, il y en a un paquet qui doivent se reconnaître en disant, ah, merde, putain, j'ai fait des études de machin et je travaille dans le truc. Hein, voilà, c'est vraiment ça le distinguo que je voulais apporter. Voilà, mon poteau Steph, tu as eu ton dossier, rien que pour toi, mais tu as vu, je le partage avec la communauté. Je pense que j'ai été concis d'abord. Je vois le chrono qui m'explique que j'étais un peu concis, même malgré les 2-3 digressions. Je revérifie toutes mes notes. Non, j'ai rien oublié.
J'espère que ça vous suffit. N'hésitez pas dans les commentaires à venir compléter ou poser des questions subsidiaires. J'y répondrai dans les commentaires ou en faisant une suite à ce dossier. Au choix. Voilà. Si vous êtes encore là, commentez. Je bosse, moi. Pas grand-chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous. Et à la prochaine.